Alléluia. Nous allons lire dans la parole de Dieu, Ésaïe 59. We are going to read from the word of God, Isaiah 59. À partir du verset 1. From verse 1. Jusqu'au verset 12. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Leur toile ne sert point à faire un vêtement et ne peut se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leurs routes. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Amen. Ce passage, this passage, est un message du Seigneur à son peuple. It's a message of the Lord to his people. À travers le prophète Isaïe. Through the prophet Isaiah. Dieu voulait expliquer pourquoi certaines personnes ne sont pas sauvées. God wanted to explain why some people are not saved. Dieu voulait expliquer pourquoi certaines personnes ne sont pas délivrées. God wanted to explain why some people are not delivered. Pourquoi les gens gémissent dans la souffrance et la misère et Dieu ne répond pas à leurs prières. Why do people groan in misery and suffering and God does not respond to their prayers? Ce passage, c'est pour montrer que tous les cris ne parviennent pas à Dieu. This passage is showing that not all cries get to God. Ce message prophétique avait pour but de montrer que l'homme est responsable de sa séparation d'avec Dieu. This prophetic message had a goal to show that man is responsible for his separation with God. Ce n'est pas Dieu qui abandonne les hommes. It is not God who abandons men. C'est l'homme qui abandonne son Dieu. It's man who abandons his God. C'est l'homme qui abandonne l'Éternel. It's man who forsakes the Lord. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. It's man who goes far away from God. C'est l'homme qui place un mur entre lui et son Créateur. It is man who has placed the wall between himself and his Creator. Il dit non. He says no. La main de Dieu n'est pas courte. The hand of the Lord is not too short. La main de Dieu peut t'atteindre. The hand of God can get to you. Même si tu es dans l'abîme. Even if you are in the abyss. Dieu peut te délivrer des profondeurs de l'abîme. God can deliver you from the depth of the abyss. Même si tu es enchaîné. Even if you are chained. Qu'on t'a lié. Even you are bound. Et on t'a caché. And hidden au fond des mers, at the bottom of the sea, la main de Dieu peut arriver là-bas. The hand of God can get there.
Où se trouve dans le problème? Where is the problem found? Le problème se trouve dans les péchés volontaires que les gens commettent tous les jours. The problem is found in the voluntary sins that men commit every day. Quand tu vas chez les marabouts, when you go to the native doctor, tu t'éloignes de ton Dieu. You get far away from your God. Tu attires la colère de Dieu. And you draw the wrath of God upon yourself. Quand tu gardes la colère, when you keep anger, le manque de pardon et la jalousie, the lack of forgiveness and jealousy, tu places un mur entre toi et Dieu. You place a wall between yourself and God. Quand tu insultes les gens, when you insult people, en parole ou avec des gestes de menace, with words or with gestures, with threats. Quand tu es orgueilleux, when you are proud, quand à tes yeux tout le monde est petit, when in your eyes everybody is small. Je connais un monsieur, tout le monde est petit. I know a man who considers everybody as small. Petit commissaire, petit sous-préfet, petit gouverneur, tout le monde est petit. Little commissioner, little divisional officer, little governor, everybody is small before him. Je ne dirai pas comment il s'appelait lui-même. Quelqu'un risque d'identifier. I will not say how he used to call himself because someone might know him. Mais arrêtons-nous seulement sur la considération qu'il avait pour les autres. But let's just stop at the consideration that he had for son others. Son évaluation des hommes. His evaluation of men. Il dit, le petit commissaire. He said, that little commissioner. Ce sont vos crimes. It is your iniquities qui cachent la face de Dieu. That hides God's face. Et qui empêchent Dieu d'écouter les prières. And which hinders God from listening to prayers. Les avortements. Tous les avortements. All your abortions. Une femme m'a dit, j'ai commis beaucoup d'avortements. A lady told me I've committed so many abortions. Je lui ai demandé combien. I asked her how many. Elle a dit, sept. C'est beaucoup. She said, it's so many. Au moins sept étaient dans son esprit. C'était plus de sept. But at least seven were on her mind. Et quand tu tues les enfants, and when you kill children, leur petit cri monte à Dieu. Their little cries go up to God. Leur petit cri. Their little cries. Et tu ne peux pas avoir la paix. And you cannot have peace. Si tu restes calme, if you stay quiet, tu entendras les petits pleurs des bébés dans ta conscience. You will hear the cries of babies whispering in your conscience. Si tu essaies de prier, if you try to pray, ces petits cris là étouffent ta prière. Those little cries, they choke your prayers. Parce que tout a été enregistré devant Dieu. Because everything has been recorded before God. Et tu vas rendre compte. And you render accounts. Quand tu bois, when you drink, tu dis c'est mon corps. You say it's my body. Je fais de mon corps ce que je veux. I do with my body whatever I want. Non. No. La Bible dit. The Bible says. Le corps de l'homme. That the body of man, dans les desseins éternels de Dieu, quand Dieu créait l'homme, in God's eternal purpose when he was creating man, c'était pour habiter dans l'homme. It was for him to dwell le in man. Le corps de l'homme est le temple de Dieu. The body of man is the temple of God. Et la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. And the Bible says that the one who destroys God's temple will be destroyed by God. Personne n'a le droit de se suicider. Nobody has the right to commit suicide. Même si tu as les difficultés. Even if you are in difficulties. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. You don't belong to yourself. Tu appartiens à Dieu. You belong to God. Il doit habiter en toi. He must abide in tu you. Tu dois tout faire. You must do all. Pour être propre. To be clean. Tu dois avoir des bonnes pensées. You must have good thoughts. Dieu doit habiter en toi. God must abide in you. Si tu poses des actes, if you carry out actions, qui chassent l'esprit de Dieu, which cast away the spirit of God, tu es coupable. You are guilty. Et la Bible dit, and the Bible says, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, that if one does not have the spirit of Jesus, il n'appartient pas à Jésus. He does not belong to Jesus. Donc tu peux savoir qui tu es. So you can know who you are. Et ma prière, and my prayer, c'est que tous ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu, is that those who are not right with God, se repentent maintenant même. We repent right now, avant qu'on ne commence l'intercession. Before we begin intercession, parce que nous sommes venus pour être exaucés, because we have come to be answered, pour être secourus dans nos besoins, to be helped in our needs. Nous ne devons tolérer aucun obstacle. We must not tolerate any obstacle, parce que nous ne sommes pas venus nous amuser, because we did not come to joke. Nous avons dit à nos parents, nos amis que nous sommes devant Dieu pour intercéder pour eux. We told our friends and relatives that we are before God to intercede for them. Et il faut enlever tout ce qui peut bloquer la prière. And you must take out everything that can block your prayers.
La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. The hand of God is not short to save. Ses oreilles ne sont pas bouchées, ne sont pas fermées. His ears are not deaf. Il entend tout ce qu'on dit. He hears whatever we say. Mais, but si devant toi, but if before si you, à ton tour il y a un silence, but if at your level there is silence, il faut vérifier les choses à ton niveau personnel. You must verify things at your personal level. Qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur? What have you kept in your heart? Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu es vraiment chrétien? You say you are a Christian. Are you truly one? La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. The Bible says you believe that there is only one God. La Bible dit mais les démons même croient. Les démons croient. The Bible says even demons believe. Qu'est-ce qui fera la différence entre toi et les but if at your level there is silence, il faut vérifier les choses à ton niveau personnel. You must verify things at your personal level. Qu'est-ce que tu as gardé dans ton cœur? What have you kept in your heart? Tu dis que tu es chrétien. Est-ce que tu es vraiment chrétien? You say you are a Christian. Are you truly one? La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu. The Bible says you believe that there is only one God. La Bible dit, mais les démons même croient. Les démons croient. The Bible says even demons believe. Qu'est-ce qui fera la différence entre toi et les démons? What will make the difference between you and demons? C'est quand tu auras abandonné le péché. It's when you would have abandoned sin. Les démons pêchent toujours. Ils sont même dans le péché, dans le noir. Demons sin every day. They are even in sin. Mais ils croient. But they believe. Quand ils fuient là, quand on dit démon au nom de Jésus là, ils commencent à crier. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que c'est vrai, que Jésus est leur, que Jésus est Seigneur des Seigneurs. When they say in the name of Jesus and they start running away, it is because they know, they believe that Jesus is Lord of Lords. Mais ils ne changeront pas. But they will never change. C'est pour cette raison qu'ils sont démons. That is why they are demons. Donc si toi tu veux marquer la différence, so if you want to make the difference, sors de l'obscurité. Come out of the darkness. Abandonne tes œuvres criminelles. Abandon your criminal acts. Abandonne le mensonge. Abandon your lies. Abandonne les commérages. Abandon your abandon your la masturbation. Abandon masturbation. Abandonne le concubinage. Abandon concubinage. Si tu veux te marier, tu te maries. If you want to get married, you get married. On n'essaye pas une femme. We don't try out a lady. Une femme n'est pas un habit. A lady is not a dress. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. It is written, a man will leave his father and mother and will cling to his wife, and the two shall become one flesh. Et toi, tu as des enfants. And you have children. You have children. Dans le concubinage. In cohabitation. Jésus a dit à la femme samaritaine. Jesus told the Samaritan woman, va m'appeler ton mari. Go and call your husband. Et la femme a dit, and the lady said, je n'ai point de mari. I don't have a husband. Et Jésus a dit, and Jesus said, tu as dit la vérité. What you said is true. Tu as dit la vérité. What you said is tu true. Tu as déjà eu 5 maris. You have already had 5 husbands. Celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. And the one with whom you are now is not even your husband. Ça donne la sagesse. It gives wisdom. Ça veut dire que tout ce que nous voyons là n'est pas mariage. It means that all that we are seeing around, not all of them are marriages. On t'appelle madame, madame. Tu we call you pas, madame, tu madame. N'es pas marié. You are not married. Va m'appeler ton mari. Go and call your husband. Si Jésus te dit va m'appeler ton mari. If Jesus says go and call your husband. N'amène pas un concubin ici. Don't bring a concubine here. Tu ne seras pas béni. You'll not be blessed. Mais il a béni cette femme. And he blessed that lady. Parce qu'elle a dit la vérité. Because she said the truth. Il y avait un homme à la maison. But there was a man at home. Mais ce n'était pas son mari. And he was not his husband. Elle n'a pas dit à Jésus, attends, j'arrive, je m'en vais l'appeler. She did not say, Jesus, wait, I'm coming, let me go and call him. Elle savait qu'il ne faut même pas parler de ça à Jésus. She knew that she did not even have to talk about that to Jesus. Mais toi, tu parles d'un concubin partout comme s'il était ton mari. You talk about a concubine everywhere as if he was your husband. Repent-toi. Repent. Tu seras exaucé. And you will be answered. Repent-toi. Repent. Tu seras exaucé. And you will be answered. Repent-toi. Repent. Tu seras exaucé. And you will be answered. Repent-toi. Repent. Si tu veux donner ta vie à Jésus. If you want to give your life to Jesus. Si tu es sérieux, sérieux. Lève you ta are main. Serious. Raise your hand. Oui, venez rapidement. Yes, come quickly. Levez-vous et venez ici devant. Yes, stand up and come. Vous venez avec vos effets parce qu'on va vous donner des chaises ici. You come with your belongings because we are going to give you seats here. Venez rapidement parce qu'on doit intercéder avec violence. Come quickly because we are going to intercede with violence.
Quand tu viens lentement, les démons sont contents parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas vite commencer la prière. When you come sluggishly, demons are glad because they know that we are not going to start the prayer early enough. Lève-toi, viens vite, vite, rachète le temps. Rise up and come quickly, redeem time. Ne viens pas comme un petit roi. Do not come like a little king. C'est Jésus qui est roi. It's Jesus who is king. C'est Jésus qui est Seigneur. Jesus is the Lord. C'est Jésus qui est roi. Jesus is king. Acclamons pour lui. Let's clap for him. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. Jésus Christ. Jesus Christ. La Bible dit. The Bible says, en vivant dans le péché, while living in sin, nous attendons la délivrance. We expect deliverance. Mais la délivrance ne vient pas. But deliverance doesn't come. Quand tu es séparé de Dieu, when you are separated from God, tu attends la délivrance. You expect deliverance. Mais la délivrance ne vient pas. But deliverance doesn't come. Tu attends la délivrance. You expect deliverance. La délivrance ne vient pas. But deliverance does not come. Pourquoi? Why? Il dit, nos péchés sont avec nous. Our sins are before us. On ne les a pas abandonnés. Les péchés sont là. We have not abandoned them. The sins are there. Quand tu veux rencontrer le vrai Dieu, when you want to encounter the true God, tu enlèves tes péchés de tes yeux, tu les enlèves de tes yeux, tu les enlèves de ton cœur. You take away your sins from your eyes and you take away your sins from your heart. Tu ne les vois pas. You don't see them. Et tu ne penses pas à eux. And you don't think of them anymore. Tu vois Jésus. You see Jesus. Et tu penses à Jésus. And you think of Jesus. L'apôtre Paul disait, the apostle Paul said, or nous avons en nous la pensée de Christ. For we have in us the mind of Christ. Les vrais enfants de Dieu, true children of God, sont remplis de la pensée de Christ. Are filled with the thoughts of Christ. La pensée de Christ. The mind of Christ. La pensée d'amour. The thoughts of love. La pensée de paix. Thoughts of peace. La pensée d'un vrai culte à Dieu. Thoughts of true worship to God. La pensée de pardon. Thoughts of forgiveness. Quand tu restes, on déchire ton cœur pour lire. On va lire les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses. When you sit and your heart has to be torn to see what is inside, we only see good things, good lève-toi things. Lève-toi et viens. Stand up and come. Est-ce que nous devons croire que c'est fini? Should we believe that this is all? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore assis sur ses péchés? Dieu l'appelle, il est assis. Is there someone who is still sitting on his sins? God is calling him and he's still seated. Si tu t'assois sur ton péché, if you sit on your sins, pour le cacher, to hide them, tu seras jugé. You'll be judged. Au jour du jugement, on the day of judgment, tu verras cette main. You will see this hand. Jésus va te demander, est-ce que tu as déjà vu cette main? Jesus will ask you, have you already seen this hand? Tu lui diras que c'est la main du pasteur Meunier. And you will say it's the hand of Pastor Meunier. Jésus te dira. And Jesus will tell you. Je t'avais appelé ce jour-là. I called you on that day. Tu n'es pas venu à moi. And you did not come to me. Tu n'es pas venu à moi. You did not come to me. Tu ne pourras pas dire que tu n'es pas au courant. You cannot say that you were not aware. Tu as vu cette main. Si tu m'as vu. If you have seen me. Jésus te dira, Jesus will tell ce jour-là, on that day, le pasteur appelait les hommes. The pastor called and he called men. Il demandait qu'ils viennent se réconcilier avec and moi. And he was asking that they should come and get reconciled to me. Mais tu as refusé. But you refused. Mais tu as refusé. But you refused. Mais tu as refusé. But you refused. Ce jour-là, on that day, ce jour-là, on that day, ce jour-là, on that day. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Vous êtes des vainqueurs. You are overcomers. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus ont vaincu le monde. All those who give their lives to Jesus have overcome the world. Ils ont vaincu Satan. They have overcome Satan. Ils ont vaincu tous les démons. They have overcome all the demons. Ils ont vaincu la mort. They have overcome death. Ils ont vaincu le séjour des morts. They have overcome Hades. Ils ont vaincu la malédiction. They have overcome curses. Là où vous êtes debout, je vous dis la vérité. Même si on vous a maudit, c'est annulé. Right where you are, I tell you the truth. Even if you're cursed, it's cancelled. C'est annulé. It's cancelled. C'est Jésus qui annule ça. It is Jesus who cancels it. L'apôtre Pierre a enseigné que Jésus a versé son sang précieux pour nous délivrer des idolâtries criminelles. The apostle Peter teaches that Jesus shed his precious blood to deliver us from criminal idolatry. Tous ces sacrifices qui donnent la malédiction. All those sacrifices that bring curses. Des paroles d'incantation. Words of temptation. Jésus a payé le prix. Jesus has paid the price. Pour tout annuler. And it is all cancelled. Et quand il était sur la croix, and when il a he dit, was on the cross, tout est accompli. He said, it is finished. Il devait obéir. He had to obey. Jusqu'à la mort. Until death. Et il a obéi. And he obeyed. Jusqu'à la mort. Until death. Jusqu'à la mort de la croix.
And the death on the cross. Une mort d'humiliation. A death of humiliation. On peut fusiller quelqu'un. Oh, il tombe, il meurt sans humiliation. And some people that they can push somebody and he dies without humiliation. Mais on l'a battu. But he was on beaten. A craché sur lui. And they spat on him. On l'a déshabillé. And they undressed him. Ils ont placé une couronne d'épines sur sa tête. And they placed a crown of thorns on his head. Ils l'ont giflé. And they slapped him. Ils l'ont insulté. And they insulted him. Ils se sont moqués de lui. And they mocked Après, him. Ils l'ont pendu au bois. And they hung him on the Tout cross. Le monde, même les passants qui ne le connaissaient même pas l'histoire se moquaient de lui. And even passers-by who did not even know the story were mocking him. Ils ont partagé ses vêtements. And they shared his clothes. Ils ont tiré au sort. And they cast lots. Ils ont percé ses mains, ils ont percé ses pieds. And they pierced his hands and his feet. À cause de, parce qu'il devait nous sauver. Because he had to save us. Jésus-Christ. Jesus Christ. Là où vous êtes. Right where you are. Si on a volé ton intelligence, ils vont remettre. Vous avez écouté les témoignages. Even on a dit à une sœur que tu ne peux plus rester ici, va. Even if your knowledge was stolen, they'll give you back. They told a sister that you can no longer stay here, go away. Ça se fait, ça se fera chez toi. It is done and it will be done for you. Mais soyez sérieux. But be serious. Beaucoup d'entre vous sont habitués dans les camps de prière. Ils partent, ils reviennent, ils partent au Ghana, ils partent au Togo, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils vont partout. Ici, là, on donne la vie à Jésus. There are people here on who ne are, se promène pas, on donne la vie à Jésus. There are people here who are used to prayer camps. They go to Ghana, go to Togo, and they go to different places. But here, you give your life to Jesus. La Bible dit que Jésus s'est fait un peuple afin que ce peuple lui appartienne. The Bible says that Jesus made for himself a people so that these people should belong to him. Afin que ce peuple lui appartienne. So that these people should belong to him. On te donne le sel, tu manges. On boit de l'huile, tu bois. Quelqu'un disait qu'on lui a dit de boire une litre d'huile. They give you salt, you take, you drink. They give you oil, you drink. Someone said they give a liter of oil to drink. Les encens, les bougies, c'est fini. Ashes, candles, le it's over. Le sel, le miel, c'est fini. Salt, honey, oil, it's finished. Les photos des prophètes à la maison, vous apportez tout, on va brûler. Photos of prophets in your home, bring them all. C'est Jésus qui doit régner dans vos cœurs. It is Jesus who must reign in you. Jésus Christ. Jesus Christ. L'apôtre Pierre disait, il n'y a aucun nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, qui nous a été donné, par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a que Jésus seul. The apostle Paul said, there is no other name that was given on heaven, on earth, under the earth, by which we must be saved. It's only the name of Jesus. Plus de chapelet. No more rosaries. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Jesus said, when you pray, say, our Father who art in heaven. Ce n'est plus comme ça. On ne prie pas comme ça. We no longer pray like this. On ne prie pas comme ça. No longer pray like this. Notre Père qui est aux cieux. Our Father who is in heaven. Notre Père qui est aux cieux. Our Father who is in heaven. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus. Lève tes mains. Raise your hand. Dis Seigneur Jésus. The Lord Jesus. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. Mes péchés m'ont séparé de toi. My sins have separated me from you. Mes péchés ont placé un mur entre moi et toi. My sins have placed a wall between me and you. C'est vrai. It is true. Ta main n'est pas courte pour sauver. C'est mon péché qui a barré la route. Your hand is not short to save me. It is my sin that have blocked the way. Ta main n'est pas courte pour sauver. Your hand is not short to save. C'est mon péché qui m'a séparé de toi. It's my sin that has separated me from you. J'accepte la repentance ce soir. I accept repentance this evening. Pardonne-moi. Forgive me. Pardonne-moi. Forgive me. Tous mes péchés en parole. All my sins in words. Tous mes péchés en action. All my sins in action. Et tous mes péchés en pensée. And all my sins in thoughts. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Je veux changer. I will change. Je veux te chercher avec tes enfants. I will seek you with your children. Je vais étudier la Bible. I will study your word, the Bible. Je veux prier aussi. I would also pray.
pour les autres parents. For my other relatives. Merci Seigneur. Thank you Lord. Amen. Amen. Maintenant, bénissons-les. Lève ta main. Now stretch your demandons hand. Demandons que le plan de Dieu, les desseins de Dieu pour chacun soient accomplis. Let's pray that the purposes of God for each one will be accomplished. Et ça va s'accomplir. And it will be accomplished. Ça va s'accomplir. It will be accomplished. Le plan de Dieu pour vous va s'accomplir. Le plan de Dieu pour vous va s'accomplir. Le plan de Dieu pour vous va s'accomplir. Oh, Rika Bakashar, Gala 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 Bakashar, Vous êtes prêts pour la prière. You are ready for prayers. Donc vous restez debout. Celui qui est fatigué, signale, on lui donne la chaise. Parce que tout le monde va se lever, on va commencer à prier. So you remain standing and we are going to start to pray. But if someone is tired, you should ask for it. Soyez concentré. Remain concentrated. Là où vous êtes. Where you are. Même si on t'a mangé dans la sorcellerie. Even if you've been eaten in witchcraft. Ils vont te vomir. They will vomit you. Et tu vas vivre. And you will live. Même si on a volé ton intelligence. Even if your knowledge was stolen. Elle sera restituée. It will be given back to you. Quand Dieu agit. When God acts. L'ennemi vient jeter ce qu'il a volé. The enemy comes and he throws away that which he stole. Dieu peut te permettre de voir ça en vision. God can permit you to see it in a vision. Il peut aussi te laisser croire par la foi. He can also leave you to believe by faith. Tenons-nous debout. Let's stand. Et chers frères bien-aimés, dear beloved brethren, croyons. Let's believe. Il y a une seule clé de victoire. There is only one key to victory. La foi. Faith. Si tu décides, if you decide, de t'approcher de Dieu, to lay hold on God. Dieu te demande une seule chose. God asks you only for one thing. La foi. Faith. Et il y a une définition de la foi qui est très simple. And there is a definition of faith that is very simple. La Bible dit, the Bible says, que celui qui s'approche de Dieu, let the one who draws near to God, croit que Dieu existe, première condition. Believe that God exists, first condition. Qui croit que Dieu existe? Who believes that God exists? Si tu crois que Dieu existe, lève la main. If you believe that God exists, raise your hand. Tu as rempli déjà une condition. You have already fulfilled one condition. Deuxième condition. Second condition. Tu dois croire. You must believe que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. That God is the rewarder of the one who seeks him. Qui croit que Dieu récompense ceux qui le cherchent? Who believes that God rewards the one who seeks him? Tu as la foi. You have faith. Si quelqu'un te dit que tu ne crois pas, n'accepte pas. If someone tells you that you don't believe, don't accept it. Parce que le diable est un déstabilisateur. Because the devil is one who destabilizes. Il viendra. He will come. Il dit, il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce que toi tu as la foi? It's written that the righteous will live by faith. Do you think that you have faith? Dis-lui, je crois, j'ai la foi. Tell him that I believe, I have faith. Acclamons pour Jésus. Let's clap for Jesus Christ. Simple. Simple. Tu crois que Dieu existe. You believe that God tu exists. Crois qu'il est juste. Il paye toujours. And you believe that he's just and he always pays. He rewards. Toujours. Always. Et Jésus rend ça encore plus simple. And Jesus makes it again very simple. Si vous êtes debout en priant. And he says when you stand up in prayer. Première condition. First condition. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un. If you have something in your heart against someone. Tu pardonnes. Forgive. Dès que tu pardonnes, tu es déjà prêt. As soon as you forgive, you are ready. Et Jésus t'enseigne maintenant comment avoir la foi. And then he teaches you now how to have faith.
Il te dit, he says, si tu demandes quelque chose en priant, that if you ask for something in prayer, crois que tu as déjà reçu la chose. Believe that you've already received it. Et tu verras la chose accomplie. And you will see it accomplished. Très simple. Very simple. N'attends pas les songes, n'attends pas les visions. Do not wait for dreams, do not wait for visions. Ne sois pas comme un petit enfant. Do not be like a little child. Tu es enchaîné. You are chained, you are bound. Au lieu de dire à Jésus, enlève les chaînes. Instead of telling Jesus, take away these chains. Montre-moi qui m'a enchaîné. You tell Jesus, show me who chained me. Et ta souffrance continue. And your suffering continues. Et Dieu est fidèle. Il va te montrer plusieurs sorciers. And God is faithful to show you many witches. Tu dis, je rends grâce à Dieu, il m'a révélé mes ennemis. And you say, I thank God, he showed me my enemies. Et puis, and then, prions des prières directes. Let us pray direct prayers. Tu dis, Seigneur, donne-moi telle chose. You say, Lord, give me this. Et tu crois qu'il t'a écouté. And you believe that he has heard you. Qu'il t'a donné. And he has given you. J'ai dit aux frères que quand on finit un ministère, I told the brethren that when we finish with the ministry, je passe une bonne partie de mon temps à résister à Satan. I spend most of my time resisting Satan. Pour protéger tout ce qu'on a reçu. To protect all that which we've received. Ça, ça fait partie du ministère de délivrance. That is part of the deliverance ministry. Parce que si quelqu'un est guéri, because if someone is healed, avant que le diable n'aille l'attaquer pour redonner la maladie, before the devil goes back to attack him to give the sickness to him again, il vient d'abord vers moi. He first of all comes to me. If, pour me vaincre. To overcome me. Il me dit, tu vois. He says, do you see? Cette personne t'a dit que l'hémorroïde a disparu, non? This person said that a pile has not disappeared. Ça va revenir. He will come back. Ça va revenir. He will come back. To come back. Je lui dis, les dons parfaits viennent d'en haut. I tell him, every perfect gift comes from above. Hallelujah. Hallelujah. Dieu donne, quand ça vient de Dieu, c'est... Vous avez entendu, j'étais guéri en 2017, j'étais guéri en 2000. Ce n'est pas quelque chose qui va revenir. You said you heard people saying I was healed in 2017, 2018. It's not something that will come back. C'est un combat réel. It is real warfare. Tu finis de prier, tu passes le temps à protéger. When you finish praying, you spend time. À Satan. You spend time protecting and resisting Satan. Certains frères demandent des choses très grandes. Some brethren ask for very big things. Moi-même, je dois rapidement m'associer à leur foi. I myself must rapidly associate with their faith. Pour ne pas rater la bénédiction. In order not to miss out on the blessing. Si tu as prié, if you've prayed, crois que Dieu a écouté. Believe that God has heard. Et crois que tu as reçu. And believe that you've received. C'est une loi divine qui rend au niveau de Dieu, qui rend l'exécution possible. It is a divine law that gets to God and makes answers possible. Si tu doutes, if you doubt, tu bloques l'accomplissement. You block the accomplishment. Attends ce que tu as demandé même dans 50 ans. Expect what you ask even after 50 years. Il y a d'autres prières pour dire à Dieu, je veux ça maintenant. Mais ne doute pas que tu n'as pas reçu. There are some prayers where you tell God, I want it now, but don't doubt that you've not received. Dans ton amitié avec Dieu. As in your friendship with God. Comme Abraham a dit à Dieu, je vieillis sans enfant. Like Abraham told God, I'm getting old without a child. Dis à Dieu, tu m'as promis une maison. Bon, quand je calcule là, je vois que il me reste peut-être
10 ans de vie sur la terre. Je veux vivre dans la maison, je ne veux pas qu'on... Hein? Est-ce que David a dit, est-ce que ce sont les morts qui t'adorent? Tell God that you promised me a house and I see that in 10 years I might die. David said, are there dead people that worship you? Ça, c'est des prières qui provoquent Dieu. Those are prayers that provoke God. Je m'en vais sans héritier. Without an heir. Pourtant, tu m'as promis, j'ai entendu ta voix. Whereas you et promised j'ai cru me, que c'est toi qui parlais. And I heard your voice and I believe that you are the one who was speaking to me. Quand c'est comme ça, Dieu convoque un conseil. When it's like that, God summons a council. Il envoie un ange plus fort. And he sends a stronger angel. Qui fait un aller-retour. Who makes a to and fro movement. Même si c'est dans un volcan. Even if it's in a volcano. Il s'en va détruire. He goes and he destroys. Il faut croire à ce Dieu-là. You must believe this God. Qu'est-ce que Dieu ne nous a pas montré? What has God not shown us yet? On a vu les morts ressusciter. We've seen the dead come back to life. On a vu Jésus entrer dans les hôpitaux, opérer les frères et les sœurs et les guérir. We've seen Jesus getting into hospitals, operating brethren and healing them. On a vu les anges. We've seen angels intervenir pour opérer certaines personnes. To operate some people. C'est-à-dire qu'on a vu toutes sortes d'exaucements, les guérisons instantanées, des guérisons dans les visions. Means that we have seen all sorts of answers, that is, instant answers, healings in visions, and the rest. Des interventions directes des anges. Direct intervention from angels. Il faut croire. You must believe. Et ce sont les, et il a fait ça parmi nous. And he did that in our midst. Frère, le ciel est ouvert. Brethren, heaven is open. Tu vas invoquer ton père. You are going to call upon your father. Demande-lui tout ce que tu veux. Ask him whatever you want. Pourvu que ce soit vrai. As long as it's true. Il a dit à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? He asked Solomon, what do you want me to give you? Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Solomon said wisdom and knowledge. Et il lui a dit, and he told him, puisque c'est ce qui est dans ton cœur. Since that is what is in your heart. Il voulait lui dire parce que tu as dit la vérité. He was telling him, because you have said the truth. Parce que le psalmiste disait, because the psalmist said, si tu me visites la nuit, if you visit me at si night, tu me sondes, if you search me, ma parole n'est autre chose que ce qui est dans ma pensée. My words are just what are in my heart. Il est notre père. He's our father. Nous sommes ses enfants. We are his children. Il reste une chose. We need just one thing. Que ce qui est dans le cœur, that which is in your heart, soit ce qui est sur la bouche, would be what will come out from your mouth. C'est ça qui est ton vrai problème. That is your true problem. Si tu dis à Dieu, donne-moi 6 milliards. If you ask God, give me 6 billion. Il va te demander, est-ce que tu pensais à ça dans la journée? He will ask you, were you thinking about that in the course of the day? Tu lui dis, non, le pasteur m'a dit de demander tout. Non, il te dit, je pose la question, dans le matin, midi, 18h, tu pensais à quoi? Tu lui dis, j'avais besoin de placalier. Il dit, mais demande ça.
He will ask you, is that what you are thinking about? And you say, Pastor Meunier said it. And he will ask you, were you thinking about it in the morning? C'est l'occasion de poser le problème qui te hante depuis le matin. He says, place the problem that has been haunting you since morning. Depuis le début de l'année. Since the beginning of the year. Qui a demandé 6 milliards à Dieu depuis le début de l'année? Who asked for 6 billion from the Lord since the beginning of the year? Qui a demandé à Dieu 6 milliards? J'ai dit, Père, donne-moi 6 milliards. Who asked for 6 billion? Le but est de montrer que nous connaissons nos vrais besoins. I just want to show you that we know our true problems. Et Dieu est vrai. We know our true Dieu needs and God is true. Les gens vrais. Quand tu poses tes vrais besoins, when you place your true Dieu needs, va t'exaucer. God will answer you. C'est lui-même qui a dit, ce n'est pas moi, je répète seulement. He's the one who said it, I'm not the one, I'm just repeating what he said. Ne joue pas, n'invente pas une histoire et puis tu dis que tu as prié. Don't dis joke. À Dieu tes vrais besoins. Don't joke, don't invent something and say you've prayed. Tell God your true needs. Parce que les vrais besoins détruisent l'homme. Because true needs destroy a man. Les vrais besoins tyrannisent. True needs become like a tyrant. Les vrais besoins te mettent dans l'insécurité. True needs put you in insecurity. Les vrais besoins te donnent l'angoisse, la frayeur. True needs give you anguish and fright. Les vrais besoins combattent même ta foi. True needs even fight against your faith. C'est pour cette raison que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. That's why the Bible says, be anxious for nothing, but in everything, make your request known to God. Une femme qui veut un enfant, c'est très sérieux, très sérieux. A lady who wants a child is very serious. Une femme qui veut se marier, c'est très sérieux. A lady who wants to get married is a very serious issue. Une sœur m'a dit, regarde mes cheveux. A sister told me, look at my hair. Je comprenais que sa douleur était grande. And I understood that her pain was great. Mais comme le Seigneur m'a donné le don d'exhortation, je l'ai prise, je l'ai placée devant le miroir. J'ai dit, tu vois comment tu es jolie. Même il n'y a même pas de rides. Elle s'est mise à sourire. And since God has given me the gift of exhortation, I took her and I put her in front of the mirror. I said, look at yourself. There are no wrinkles on your face. Dis Jésus sauve. Say, Jesus saves. Jésus délivre. Jesus delivers. Lève tes mains. Raise your hand. Dis, oh Père. Say, oh Father. Écoute mon cri. Listen to my cry. Maintenant, parle-lui sincèrement. N'invente rien. Now speak to him sincerely. Don't invent anything. Ce qui est dans ton cœur, qui t'afflige. That which is in your heart that afflicts you. Ce qui t'effraie. That which frightens you. Ce qui te tourmente. That which torments you. Parle-lui, il est notre Père, il est notre Père. Speak to him, he's our Father, he's our Father. Même si tu viens de croire. Even if you have just believed. Parle-lui. Speak to him. Il va t'entendre. He will hear you. Même si on t'a dit que tu vas mourir demain. Even if they told you that you will die tomorrow. Si tu ne veux pas mourir. If you don't want to die. Dis-lui, Père, je ne veux pas mourir demain. Tell him, Father, I don't want to die tomorrow. Ézéchias a fait cela. And I put an end to that. Ézéchias a dit à Dieu, je ne veux pas mourir. Hezekiah told God, I don't want to die. Et Dieu a exaucé. And God answered. Dieu a exaucé. God answered. Alléluia. Alléluia. Lisons quelque chose dans Daniel chapitre 10. Let's read something in Daniel chapter 10. Verset 12. Verse 12. À 13. To verse 13. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et tu t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef
du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Amen. Tenons-nous debout. Ici, nous voyons comment un mauvais esprit s'oppose à l'accomplissement d'une bénédiction. We see here how an evil spirit blocks and resists the accomplishment of a vision. Daniel commence l'intercession. Daniel starts intercession. Dieu envoie la réponse. And God sent an angel. Le prince satanique de Perse barre la route. And the satanic prince of Persia blocked the way. Cet esprit qui barre la voie, c'est ça qu'on appelle principauté. That is that spirit that blocks the way is what we call principalities. Parce qu'il y a parce que quand tu fais la confusion dans la prière, tu te bloques toi-même. Because when you make mistakes in prayer, you block yourself. Le péché te sépare de Dieu. Sin separates you from God. Si tu te repens, tu es pardonné. If you repent, you are forgiven. Si le péché devient une idole, but if sin becomes an idol, c'est-à-dire un péché que tu ne veux pas abandonner, that is a sin that you don't want to abandon. Un péché qui reste, a sin that stays there. Une attitude, an attitude. Une tendance, a tendency. Un comportement, a behavior. Un principe, a principle. Même des bonnes choses, even if they are good things, qui sont adorées, that are worshipped, deviennent des idoles. They become idols. Les péchés qui sont aimés sont des idoles. Sins that are loved are idols. Les bonnes choses qui sont adorées sont des idoles. Good things that are worshipped are idols. Et quand les idoles sont dans ta vie, and when idols are in your life, les principautés dominent sur toi. Principalities dominate over you. Pour qu'elles soient renversées, for them to be overthrown, tu reviens à Dieu. You come back to God. Tu te repens sincèrement. You repent sincerely. Tu enlèves toutes les idoles de ton cœur. And you take off all the idols from your heart. Si c'est pour la famille, if it's for the family, tu supplies Dieu. Tu supplies Dieu. You plead with God and you plead with God. Tu plaides. And you plead. Pour que Dieu annule la malédiction. So that God should cancel the curse. Et qu'il envoie la délivrance. And for him to send deliverance. Donc ici, so here, l'ange dit à Daniel, the angel told Daniel, ne crains rien, do not be afraid, car dès le premier jour, for since the first day, où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, that you set your heart before the Lord, tes paroles ont été entendues, your words were heard, et c'est à cause de tes paroles que je viens, and it's in response to your words that have come, et il révèle donc quelque chose à Daniel. And he reveals something to Daniel. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. He says, but the prince of the Persian kingdom resisted me for 21 days. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Ce soir, this evening, nous allons frapper, we are going to strike, l'armée des ténèbres, the hand of darkness, mobilisée pour s'opposer à ce que Dieu a promis, mobilized to oppose to what God has for us, parce qu'il y a les informations spirituelles, because there is spiritual information, les visions qu'on voit là, le diable les voit, visions that these visions that we see, the devil also sees them. C'est comme la télévision, it's like the television set. Il dit à ses amis, vous voyez ce que leur père veut faire? He says, you see what their father wants to do? Il leur annonce le bonheur. He's announcing good things for them. Il leur a tout révélé. He has revealed to them donc everything. Si nous ne faisons rien, so if we do nothing, ça va s'accomplir. It will be accomplished. Donc essayons de barrer la voie. So let's try to block the way. Mais comme nous sommes sages, but since we are wise, et que Jésus a dit, because Jesus said, je vous ai donné mon pouvoir, I have given you the power. Ce n'était pas pour manger le plakali avec. It was not to eat plakali. C'est pour casser l'opposition. It's to break opposition. C'est pour marcher sur les serpents et les scorpions. It's to walk on serpents and scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. And upon all the powers of the enemy. Nous allons détruire. We are going to destroy. Dans toute œuvre des démons.
every work of demons. Tous les démons mobilisés. All demons that have been mobilized. Nous allons les disperser. We are going to disperse them. Et chaque chose va s'accomplir au temps fixé. And everything will be accomplished at the appointed time. Lève ta main. Raise your hand. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que notre Dieu est fidèle. That our God is faithful. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. What he says, he always accomplishes. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que nous avons l'intelligence. That we have knowledge. Pour savoir que il y a des ennemis. To know that there are enemies. Dis, je proclame que nous avons de l'intelligence. Say, I proclaim that we have knowledge. Pour savoir, pour comprendre que nous avons des ennemis. To know and understand that we have enemies. Qui s'opposent. Who oppose. À l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis. The accomplishment of that which God has promised to us. Comme le prince de Perse. Like the prince of Persia. S'était opposé à l'ange que Dieu avait envoyé à Daniel. Was opposed to the angel that God sent to Daniel. Lève ta main, dis au nom de Jésus. Say in the name, raise your hand and say in the name of Jesus. Frappons l'adversité. We strike every adversity. Car, because Dieu envoya Michael. For God sent Michael. Juger le prince. To judge the prince. Pour dire que personne n'a le droit de s'opposer au dessein de Dieu. To say no one has the right to oppose God's purposes. Nous frappons. We strike. Nous jugeons. We judge. Nous frappons dans les lieux célestes. We strike in heavenly places. Nous rabaissons. And we bring down. Et nous dispersons. And we scatter. Tous les esprits méchants. Every wicked spirit. Qui existe dans les lieux célestes. That exists in the heavenly realms. Qui tente de fermer la voie. That struggles to block the way. Nous les renversons. And we bring them down. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et nous les condamnons à la ruine. And we condemn them. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous dirigeons le jugement. We send judgment. Tous les démons, tous les esprits des morts. To all demons and spirits of death. Existant dans le séjour des morts. Living in Hades. Ou même qui sont sortis du séjour des morts. Or that have come out from Hades. Nous les renvoyons dans le séjour des morts. We send them back to Hades. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous renvoyons dans le séjour des morts. We send back to Hades. Tous les esprits des morts. Every spirit of death. Qui sont sortis pour s'opposer au dessein de Dieu, to the purposes of God, à la promesse de Dieu, to the promises of God, aux visions de Dieu, to the visions of God, aux exhortations de Dieu, to God's exhortations. Nous les gardons dispersés, ruinés. I will disperse them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous dirigeons notre jugement. We lead our judgment. Dans les eaux. To the waters. Dans les eaux. To the waters. Et dans les lieux plus bas que les eaux. And to places below the waters. Nous dispersons tous les esprits. And we scatter all the spirits. Tous les esprits des eaux. All the spirits of the waters. Qui ont été mobilisés pour s'opposer au dessein de Dieu. That were mobilized to oppose the purposes of God. Frappons des divisions. We strike them with division. Nous les enchaînons. We chain them. Nous les renvoyons au fond des mers. And we send them to the depth of the sea. Enchaînés, enchaînés, enchaînés. And we chain them, chain them, chain them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous dirigeons notre jugement. We send our judgment. Vers les abîmes. To the abyss. Nous renvoyons dans les abîmes. And we send back to the abyss. Tous les esprits qui sont sortis des abîmes. Every spirit that came from the abyss. Pour s'opposer. To oppose. À l'accomplissement des desseins de Dieu pour to nous. To the accomplishment of the purposes of God for us. Pour fermer la voie. To block the way. À ce que Dieu nous a donné. To that which God has given us. L'empêcher de venir à l'existence. To stop it from coming to existence. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous refermons les abîmes au-dessus d'eux. We close the abyss over them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous dirigeons notre jugement dans les lieux déserts. We take our judgment to the desert. Dans les lieux arides. To the dry lands. Nous renvoyons dans les lieux arides. And we send back to the dry lands. Tous les esprits venus de lieux arides. Every spirit that came from the dry lands. Nous les dispersons d'abord. And we first of all scatter them. Afin qu'ils ne se rassemblent plus jamais contre nous. And may they never gather against us. Et nous les chassons. And we cast them away. Et nous les enchaînons. And we chain them. Et nous proclamons que leur ruine est éternelle. I proclaim their eternal ruin.
Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous levons contre tous les esprits venus des montagnes. We rise up against every spirit coming from the mountains. Nous dirigeons notre jugement. We take our judgment. Contre tous les esprits venus des montagnes. Against every spirit that came from the mountains. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous roulons les montagnes. We rule away the mountains. Et nous exposons à la ruine. And we expose them to ruins. Toutes les armées des montagnes. The armies of the nous mountains. Nous les enchaînons. And we bind them. Nous les dispersons. And we scatter them. Afin qu'ils ne constituent pas une force rassemblée. So that they will never constitute a force against us. Qu'ils ne constituent point une force rassemblée contre nous. They will never constitute a force gathered against us. Et nous imposons le silence dans les montagnes. And we cast silence over the mountains. Nous dirigeons notre jugement dans les rochers. And we take our judgment to rocks. Nous roulons les rochers. And we roll away the rocks. Nous jugeons les esprits venus des rochers. And we judge the spirits coming from the rocks. Nous dispersons tous ces esprits. We scatter every spirit. Afin qu'ils ne se rassemblent plus jamais. So that they will never gather anymore. Nous divisons leur langue. Break the armies. Nous les gardons dispersés, dispersés, dispersés. And we scatter them, we scatter them, we scatter them, we scatter them. Dispersés. We scatter them. Dispersés, dispersés, dispersés. We scatter them, we scatter them, we scatter them. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Nous dirigeons notre jugement dans les forêts sacrées. We take our judgments to sacred forests. Partout où un esprit est adoré dans une forêt. Everywhere that spirit is worshipped in the forest. Nous chassons tous les esprits. We cast out every spirit. Tous les esprits venus des forêts. Spirits coming from the forest. Nous les enchaînons. We bind them. Nous les enchaînons. We bind them. Et nous les dispersons. And we scatter them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Nous proclamons le règne de Jésus. We proclaim the reign of Jesus. Le règne de Jésus, le règne the reign de Jésus. Of Jesus, the reign of Jesus. Le règne de Jésus. The reign of Jesus. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons les forteresses. We destroy strongholds. Tout partout où l'ennemi est parti se cacher. Wherever the enemy has gone to hide himself. Toutes les forteresses. Every stronghold. Utilisées contre nous. Used against us. Nous les démolissons. We demolish them. Nous les démolissons. We demolish them. Et nous jugeons les esprits qui sont partis. And we judge the enemy. Nous dispersons les esprits qui se sont cachés dans les forteresses. We scatter the spirits that are hiding in the strongholds. Nous proclamons. We proclaim. Qu'aucune adversité ne tiendra contre nous. That no adversity will stand against us. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous venons contre nos adversaires parmi les hommes. We stand against our opponents among men. Père. Father. Nous ne demandons pas leur mort. I'm not asking for them. Mais qu'ils quittent sur notre chemin. But they should leave our way. Nous libérons les voies devant nous. And we release the way before us. Nous écrasons l'adversité humaine. We cross every human opponent. L'adversité des hommes méchants et des sorciers. The opposition of men and sorcerers. Nous détruisons leurs enchantements. We destroy their enchantments. Nous décrasons leurs serpents. We cross their snakes. Tous les esprits à leur service. Every spirit on their service. Nous les dépouillons de leur puissance. We destroy them. We cross them. Que la terreur les visite. May the terror visit them. Un tremblement les visite. May trembling visit them. Que personne ne lève ses regards vers le vrai Dieu. No one stand. Car l'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Dieu. L'homme man pas Dieu. Is not God. Man is not God. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que toute personne qui a juré. May everyone who has sworn. Avec ou sans imprécation. With or without an oath. Que personne, que tant qu'elle est là. That as long as they are there. Pas de bonheur, pas de mariage, pas de travail. There will be no happiness, no marriage. Que qu'une telle personne soit ôtée de sa place. May such a person be taken off. Si c'est un poste d'administratif qu'il utilise pour sa méchanceté, qui sont enlevés. If it's an administrative position that he's using for his wickedness, may be taken off. Qu'un homme juste et honnête prenne sa place. May an honest and righteous man take nous his place. Nous jugeons l'injustice. We judge injustice. Nous jugeons la méchanceté humaine. We judge human wickedness. Nous jugeons l'orgueil humain. We judge human grudges. Nous brisons les appuis d'orgueil. And we break the altars. Tout ce sur quoi les orgueilleux s'appuient, nous le brisons. Everything on which the proud are standing, we break them. Nous proclamons que c'est Dieu qui est Dieu. And we proclaim that it is God who is Lord. Qui a créé les cieux et la terre. And who created heaven and the earth. Il est souverain, il est Dieu, il est he's grand. Sovereign, he's God. Il est souverain, il est Dieu, il est grand. He's sovereign, he's God, he's nul great. N'est semblable à lui. None is compared to him.
Béni soit le peuple qui l'adore. May the people who worship him be blessed. Béni soit ceux qui aiment le peuple qui l'adore. Blessed be the ones who love the people who worship him. Que leurs pensées soient bénies. May their thoughts be blessed. Que leurs œuvres soient bénies. May their works be blessed. Que leurs projets soient bénis. May their projects be blessed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Mais que celui qui s'élève contre ce peuple. But anyone who rises against this people. Rencontre l'adversité de Dieu. May he meet the opposition of God. Car il est écrit. For it is written. Je serai l'ennemi de vos ennemis. I'll be the enemy of your enemies. L'adversaire de vos adversaires. And I'll be the adversary of your adversaries. Je bénirai celui qui te bénira. And I'll bless those who bless you. Et je maudirai celui qui te maudira. And I'll curse those who curse you. Dis, oh Père. Say, oh Father. Visite ton peuple. Visit your people. Accorde le réveil. Grant us revival. Accorde le réveil dans la lecture biblique. Grant revival in Bible reading. Accorde le réveil dans la lecture biblique. Grant revival in Bible Accorde reading. Accorde le réveil dans l'évangélisation. Grant revival in evangelism. Tu nous fais du bien. You have done us good. Donne-nous la puissance pour te chercher. Give us the power to seek you. Pour t'adorer. To worship you. Pour évangéliser, parler de toi. To evangelize, to talk about you. Tu peux t'asseoir. You can be seated. Règle les dernières choses avec ton Dieu. Settle the last things with your God. Dans ton esprit. In your spirit. Tu le contemples, tu l'aimes, tu l'adores, tu t'engages à lui. You should behold him and you consecrate yourself to him. Tu verras. Dans mon esprit, je contemple la victoire de Christ. In my spirit, I'm beholding the victory of Christ. Donc, avec action de grâce. So with thanksgiving. Dis-lui merci. Tell him thank you. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de tendre vers la fin. We are moving towards the end. Chaque rencontre devient très très capitale. Every encounter becomes very capital. Les principautés, principalities, sont des esprits, are spirits, qui gouvernent des domaines, that govern territories, des espaces. Spaces. Ils sont dans les airs. They are in the air. Ils sont dans les abîmes. They are in the abyss. Dans l'abîme, il y a le chef. In the abyss, there is the chief. Ou même les chefs. Or chiefs. Parce qu'il y a des rangs. Because there are ranks. Ils sont sous la terre. They are under the earth. Ils sont dans le séjour des morts. They are in Hades. Le monde n'est pas simple comme vous croyez. The world is not simple as you believe. Il y a une dame. There's a lady qui m'a dit qu'un jour, who told me that one day, sa grand-mère lui a donné un morceau de viande. Her grandmother gave her a piece of meat. Dès qu'elle a mangé, as soon as she ate it, elle a commencé à s'envoler. She started flying. Un autre jour, elle a amené un brousse. Another day, she took her to the bush. Elle a pris les feuilles. And she took leaves. Elle a mis dans, elle a froissé, elle a mis les gouttes dans ses yeux. And she squeezed it and put the drops in her eyes. Et elle voyait des gens. And she saw people. Ce que toi tu ne vois pas là, elle voyait. That which you can't see, she saw them. Elle a vu les nains. She saw dwarfs. Et elle les voyait maintenant continuellement. And continuously, she began to see them. Un jour, one day, ils allaient au champ. They were going to the farm. Les gens sont passés. People were going by. Elle voulait passer. And she wanted to pass. Les nains l'ont raclé comme ça. C'est-à-dire, ils ont pris les pieds, ils ont raclé. Elle est tombée. And the dwarfs took her feet and they put her on the ground. Et lui dit, les autres ne nous voient pas. Toi, tu nous vois, tu fais comme si tu ne nous vois pas. And they told her, the others don't see us, but you see us and you behave as if you don't see us.
Est-ce que vous voyez la réalité du monde? Can you see the reality of the world? Les autres voient une piste, mais c'est un village. The other people were seeing a path, but it's a whole village. Donc quand nous combattons contre le séjour des morts, ce n'est pas le jeu. Il y a des esprits qui sortent de là-bas pour venir. So when we wage war against Hades, it is not a joke. There are spirits that live from there to come to fight against us. Quand les gens pratiquent la magie, on leur donne ces esprits-là. When people practice magic acts, they give them these spirits. Lève ta main. Raise your hand. Dis, nous cachons dans le sang de Christ. Say we hide under the blood of Christ. Tout ce qui a été arraché. Everything that has been snatched. Tout ce qui a été bâti. Everything that has been built. Tout ce qui a été planté. Everything that has been planted. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dis, nous maintenons dans la ruine. Say we maintain in ruins. Tout ce qui a été renversé. All that has been overthrown. Tout ce qui a été déraciné. All that has been uprooted. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.